une autre, enfin, qu'on passe à raid. Donc, excusez-moi si je bouge un peu, c'est. Elle arrête de bouger. Et peut-être une autre minute. Ouais, on a pas vu le bordel. Donc j'ai mis la pièce 1. Donc j'espère que mes Pokémon vont fuir. Alors je suis en train d'entraîner l'Ursaring. Tortank. Est-ce que j'ai prévu ça? Non, on ne sait pas. Donc le sprite de Tortank est assez beau. Pourquoi attendez, excusez-moi qui me fait donner beaucoup de bruit. Hein. Ok, ça je ne fais pas beaucoup. Non, je pas. Non, pas de côté. Alors j'ai testé sur le sang. Non, excuse-moi la chaise. Si j'ai bougé. Oui, parfait. Complexe. Est-ce que j'ai encore moins de petits combats? Même pas. Bah, j'en ai un truc. Ouais, bon, on va bien commencer. Non. Je sais pas vraiment. J'espère que. Il y a beaucoup de choses à augmenter. Donc le plus gros problème qu'il a. Arrête! Ouais, mais sauf que là, vous voyez pas être propre. Donc, je vais l'appliquer. Oh, je crois pas qu'il a crevé. Oh oui. Donc cette faiblesse aussi du type normal, de type combat. On voit que c'est quand même. Voilà. Il faut tout le temps faire.
Non. Oh. J'y crois vachement. Oh, Arcus. Ouais, t'es là. Non, moi j'ai déjà perdu qu'un Pokémon, on en a perdu trois. Yo, c'est beau. Et on va le finir. Donc c'est un des seuls légendaires qui m'a fait apprécier comme capacité spéciale. Quoi? Mais non! Oh, excusez-moi, j'arrêtais pas de zoomer sur mon Pokémon. Tu vas crever cette fois. Mais pas tout de suite, la prochaine attaque. J'ai marre de zoomer sur le mien. Excusez-moi, ma caméra sur mon portable est très petite, c'est pour ça. Je pense encore un spatiolite et un hurletant, je crois qu'il sera mort pour deux spatiolites. Putain, mon dernier spatiolite que j'utilise, après là j'aurai plus. On va avoir un petit coup de hurletant et puis c'est bon. Non, quoi? Je crois qu'il va crever. Non. Ouais bon, maintenant c'est parti pour le cicatrice. Application. Tu vas crever. Ah, pas tout de suite. T'attends. 2 secondes, hein. 2 secondes, je transfère l'appel, donc c'est bon, hein. Tu me fais pas chier. Il a 165 CV. Et comment ça se fait qu'il n'arrête jamais Blizzard? Ça, je ne pige pas. Pour sa précision, le Blizzard est quand même assez faible, mais bon, c'est pas grave. C'est comme notre laser, hydrocanon. Pas hydroplace, j'allais dire, mais non. Hydroplace, j'allais dire, mais non. Des vidéos, comme vous le savez, je pars. Là, on trouvera après. Ah, attends, 13 ans. Putain, ça ring, il est un peu maigre, mais quand même, il est. Comment dire, il est pas rapide. Voilà, c'est le Pokémon que je voulais voir. Et mes utilitaires de chez. Comment je l'appelle? Voilà, de ON. Donc je vous ai fait voir dans la capture de cœur niveau 100. C'est hyper. C'est stats pourri. Mais bon. PV ça va 288 et attaque. 236 et attaque spéciale 234. Okay. Mais après en vitesse. 149. Défense spéciale 129. Défense 133. Quand capacité. Intimidation que poison crochet venant mâchouille. On dirait que je vais pas le faire. Ah, c'est vite. C'est pas que j'en attaque avec les pépins mâchouilles et tout. Ouf, quand même, c'est rapide. Bah oui, c'est vrai. Je le réserve aussi de type poison. Il est bête, lui. Le bon bord. Ouais, quand même. Putain. Est-ce
Excuse-moi, on s'est couché à 4 heures, je suis à 10 heures 10 heures. Comme par exemple, je parlais du moins d'heure. Et vas-y, moi tu me parles, moi je te garde ça. Est-ce que j'ai pas un fond, comment dire, genre un peu marron? Ah non, surtout pas. Ah si, j'y regarde, tu peux. T'as réveillé. Ah, je crois que là, on parle pour le bébé. Allez, bien, j'espère que tu auras au prochain tour. Quand même. Allez, on va tirer mon rat. Que... Attends, on va voir. Quel poison va aller sur le. Et le dernier, si j'en souviens bien, c'est Dragofeu. Sauf que tu vas crever vite, c'est moi. C'est pour me dire. Je fais quelque chose, genre. Ah, moi, je peux pas l'attaque, mais. Je veux dire. Rappel. Pour les gladiateurs. Parce que, en fait, voilà, il y a 4 trames, ils sont les deux forts. Là. J'ai dit, non, crève pas, mais en fait, bah, il a raté son attaque. Il est quand même bon, Dragofeu. Je suis quand même content qu'il fasse pour une fois un beau Dragofeu. Donc, là, sur jaune, dans jaune, son corps il touche le ventre comme s'il venait de manger. Voilà, elle est plus rapide que moi. Et il me tue beaucoup plus rapide que moi. Et va tuer plus rapide que mon Lidiaclo? Je ne pense pas. Je pense que oui. Excuse-moi. Je te baisse en attaque, moi, en attendant. Tu fais pas chier. Ouais, bah voilà, j'en doutais qu'il sera très rapide. Oh oui. Ça m'énerve. Mais c'est bon, je vais pas rater la chasse tour. Que là, je crois que j'ai manqué raison, il va pas me faire chier longtemps. Que je change mon c'est le maximum. Il pas mieux faire. Ah ouais. Je vais me dire, putain, après, il va pas me retuer quoi. Ça veut pas me remettre dans les rouges. Je vais faire une temps dragon, on sait jamais. Mais vas-y! Vas-y, putain! Je peux pas attaquer, il a tout le temps peur! Pénal, hein! Vas-y, quoi! J'ai pas de sonnerie tous les 5 tours! Vas-y, voilà. Putain. C'est extra consomme. Qu'est-ce qu'il y a couille la grêle? Vas-y, on va voir toi ce que tu veux. Les rappels, c'est parti après guérison. C'est encore plus magnifique. Donc, c'est la même musique que tu combats contre Peter. Survivre tous les deux. Ah non, 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 il faut. Ah, si. Est-ce que tu ne voulais pas faire de faire des gâteaux? C'est tellement gros que c'était qu'il y a une forme de perle. Non. Putain, il est déjà dans les vies jaunes. Il va faire guérison parce que voilà, il y a pas de produit. Il n'a pas voulu me tuer. Fais-moi l'âme, s'il te plaît.
C'est gentil. Quand toi tu te mets KO. Oui. Ah oui, quand tu prends la grève, tu seras KO. Merci quand même d'avoir pas suscité. Mais voilà, Mich. Alors, limite, bah oui. C'est la grosse pédale que je prends. Mais toujours par rapport à une que j'ai eu la moins d'étoiles que les autres, je peux vous dire. Donc tu vas pas avoir peur là, les Vétors. Hein. Voilà. Tu veux jouer avec moi, petit. Jouer avec eux. Mais ça, c'est pas ça, pour une fois. Non, les putains, le gars, c'est tout en mode. Quand vous. À chaque fois que vous voulez faire un combat contre elle. Ben non, elle a vrai qu'à vous casser les couilles. Ça, c'est mieux. Eve. Ça me fait chier de dire ça. Quand je dis crève. Oui, parce que le dragon feu, c'est quand même mon Pokémon préféré, donc c'est pour ça que. Regardez l'argent. Ouh. Alors, lui, Red, c'est le mec qui ne parle pas beaucoup. Que trois petits points, mais ça qui veut rien dire. Et là, l'intro de merde qui est le générique de fin. C'est parti, taper des trucs de merde. Oui, bon, je fais pas avec tout de suite, hein. Alors, un match. Parce que j'ai pas d'attaque seule. Donc là, vous pouvez voir. Professeur Orb et le trois starter. Leur P19. C'est magnifique. Un 9. Piri. Question. En fait, je sais même plus ce qu'on a et qu'on pense qu'on va lui montrer le truc épi. Là, c'est bon et tout. Ce qu'on donne. C'est vrai. Ah. Oui. Putain. Alors, je rappelle. Enfin, je ne l'ai jamais dit, mais bon, je le fais et je le dis quand même. Alors, pour pouvoir rebattre notre rival, il y a un jour, pour avoir le niveau de Sandra, bah, il faut le faire. Vous allez la tour, là où on obtient le 8ème badge et le... Ouh, XP. Et la mine des rabots de vitesse extrême, quoi, on a bien répondu que j'ai. Vous obtenez un moment en haut, derrière, juste derrière, il y aura votre rival. Et puis, sinon, tous les lundis, il y a... Il y a le rival à la ligue et aussi la dernière fois j'ai battu un jeudi. Désigne. On le revoit pas depuis que on a quelque chose sur qu'on on le voit plus. Sauf dedans. Ah, tu m'étonnes qui tire encore un. Félix. Alors elle, après l'avoir battu deux ou plus de fois, à un moment, si elle vous appelle, elle vous voudra bien vous échanger son Steelix contre quel de vos Pokémon, ah, Sandra et Fredo, petit Fredo, petit vieux. Et là, les gros bouffons de la Team Rocket, sauf il n'y a pas Giovanni, mais bon. Alors, pour pouvoir battre Giovanni, il vous faut le Celebi Event, soit celui-là qui a été distribué en hiver 2011, soit celui-là d'O-Type. Le Time, ça s'appelle Time, et son nom, le nom de son dresseur c'est TBLF, excuse-moi, et ou sinon il y a Celebi japonais niveau 10 qui a été distribué au Japon, bien sûr, et voilà. Enfin, je crois que c'est le Celebi qui débloque l'autre. Si vous votez contre, si vous prenez le Celebi 10 anniversaire, je crois qu'il y va aussi. Bonjour, maman! En cours comme un gros bouffon. Approchez à maman, se tire. Et la fin. Et voilà. Peut-être, non. Je dis, merde, c'est la dernière vidéo qu'on fait avec Sous-Sylvain, mais non, il y a la capture de Sous-Sylvain, Ticodin, Mewtwo, Grodon, Rayquaza. Qui d'autre? Donc c'est tout.
après, ou sinon quand je trouverai un shiny. Allez, à plus tout le monde, et regardez pas les infos, mais les infos de moi que toi, allez, à plus.